Le contenu qui va suivre est une vidéo là on my way. La dépose d'un like est fortement recommandée. Amicalement, la direction. Wesh les potes, vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la On My Way les potos. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cet énorme gameplay. Je suis très content de le commenter parce que voilà, dès qu'on a dit ouais faut quelqu'un le commente, j'ai directement pris parce que je trouve ce gameplay absolument magnifique. Donc c'est le World First Nucléaire à l'EMC en solo. Donc vous savez, l'EMC c'est le petit flingue là, donc il a fait une Deatomizer Strike. Il a pas fait une nucléaire, genre un 30 kills la Deatomizer Strike, enfin bref, vous connaissez les bails les potos. C'est Synaxis qui nous a fait ce magnifique gameplay, et donc en solo et en MME. Et franchement en plus il est en full rush et il est vraiment très très beau à regarder. Donc bah, si vous kiffez cette vidéo, si vous kiffez le player, n'hésitez pas à aller check sa chaîne est d'ailleurs la même que la mienne, parce que voilà, on a monté une petite équipe ensemble avec deux autres personnes. Et donc voilà, du coup bah, si vous avez check sa chaîne, vous avez aussi check la mienne, et donc ça c'est plutôt cool. Bah ouais les potes, je perds pas le nord, j'ai bien compris que si je commentais ce gameplay, bah du coup ça nous faisait une double pub. Bon en tout cas, si jamais vous kiffez le gameplay ou même le commentaire qui est de moi même bah n'hésitez pas à aller check notre chaîne, ça nous fera vraiment plaisir. Pour ce qui est du sujet aujourd'hui, je vais vous parler du zombie d'Infinite Warfare, parce qu'en effet beaucoup de monde a parlé du multi, World First, etc, blablabla, vous connaissez les bails, mais personne n'a vraiment parlé du zombie. Pourtant il y a des choses intéressantes à dire, parce que pour une fois je pense que le zombie va vraiment être pas mal, il va être plutôt fun, ça c'est sûr et certain. On a vu notamment au trailer que c'était vraiment un trailer fun avec les zombies qui dansent, etc. Bon bref, je pense que vous en rappelez. Et aujourd'hui j'ai essayé d'énoncer quelques théories sur ce qui pourrait être la potentielle histoire du zombie d'Infinite Warfare. Alors pour faire très court sur l'histoire de Zombie in Spaceland de Infinite Warfare, en gros les 4 personnages sont des acteurs qui devaient participer à un casting et au final ils se sont retrouvés au piège par le réalisateur, où il a décidé que le film se passerait vraiment et que du coup il serait vraiment attaqué par des zombies. Du coup bah, vous vous retrouvez un petit peu au piège. Donc ça montre un petit peu que le zombie d'Infinite Warfare va vraiment être fun, que ça va vraiment être basé sur le fun, et franchement ça c'est une bonne nouvelle. Et maintenant je vais énoncer quelques théories sur le futur du zombie d'Infinite Warfare, sur les prochaines maps, qu'est-ce qui se passera et quelle sera l'histoire. Et je pense que je vais pas trop m'éloigner de la réalité, après on verra quand les maps sortiront. Une chose est déjà sûre, c'est que le zombie sera vraiment fun, en tout cas ça va vraiment changer de ce qu'on avait bah, notamment sur les Black Ops et sur World at War, mais aussi sur Advanced Warfare qui d'ailleurs était pas excellent au niveau de l'histoire, et puis même il était pas très fort, et puis le fait qu'on puisse sauter en l'air partout, bah ça enlevait un petit peu du côté zombie qu'on avait l'habitude de voir, et là qu'on soit à terre, franchement je trouve que c'est une bonne chose. Alors ma première théorie sur le zombie d'Infinite Warfare, c'est que pour moi il y aura plusieurs sortes de films qui se passent à plusieurs époques. Donc là on a par exemple bah, un parc d'attractions durant les années 70, moi je dis pourquoi pas on aurait quelque chose qui se passerait genre 3000 ans plus tard avec je sais pas des vaisseaux futuristes, etc. Puis pourquoi pas un truc qui se passe pendant le western, et pourquoi pas un truc qui se passe pendant le Moyen-Âge. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais vu que c'est un truc avec un réalisateur fou, et ben je me dis que le mec pourrait nous mettre plusieurs épreuves sur différentes époques et à différents endroits, un petit peu comme on avait sur Left 4 Dead 2. Je sais pas si beaucoup de personnes ont joué à ce jeu là qui regardent la On My Way, mais bon c'est quand même un jeu assez connu. Il y avait ben, un parc d'attractions, il y avait aussi une map avec des marées, enfin voilà, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais ben, si vous connaissez pas ce jeu, je vous conseille d'y jouer. Et ben je vois bien un truc un petit peu à Left 4 Dead 2, franchement je pense que ça peut être stylé. Ma deuxième théorie, c'est que ben, tout simplement à la fin de Zombie in Spaceland, le réalisateur fou bah, meurt, ou je sais pas, il lui arrive quelque chose, et en gros on part directement sur une toute autre histoire à une toute autre époque, ou pourquoi pas à la même époque mais avec d'autres personnages. Voilà, je pense que peut-être que ça pourrait être quelque chose de potentiel. En gros il y aurait plusieurs histoires, mais à chaque fois un petit peu fun, un petit peu comme la première map Zombie in Spaceland, mais peut-être à d'autres époques, je ne sais pas. Alors après, ce que l'on sait au niveau du zombie d'Infinite Warfare, c'est que lorsque la bobine, donc le film sera terminé, donc en gros lorsque le Zombie in Spaceland sera terminé, les âmes des acteurs seront sacrifiés. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire ça, je sais pas trop ce qui leur arrivera, est-ce qu'ils disparaîtront, est-ce qu'ils pourront aller autre part, ça je ne sais pas. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les théories. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous vos petites théories sur le zombie d'Infinite Warfare, ça m'intéresse. Et puis si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous avez l'habitude. Et bien sûr si vous avez kiffé le gameplay et surtout, enfin surtout non, et le commentaire, bien sûr n'hésitez pas à venir sur notre chaîne, ça nous fera vraiment plaisir. Sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez à plus.